Alors voici le projet terminé. Donc ma, mon home déco pour euh, décorer ma bibliothèque. Il est euh, en trois parties. Donc en fait ici au-dessus vous avez euh, le livre altéré qu'on a réalisé ensemble et le tuto euh, donc euh, est à venir juste euh, après la présentation du, du projet. Ensuite ici vous avez l'étagère qui a été fabriquée en fait avec trois livres de récupération. Que je suis venue recouvrir avec les papiers de collection. Et ici, je vous montre un petit napperon qu'on vient juste déposer dessus avec de la décoration collée. Comme le projet est volumineux et que je filme par le haut, j'ai juste pris ma perche à selfie pour faire le tour et vous montrer, donc poser sur une étagère, ce que ça donnerait. Et je vous remontre dans le détail chacune des parties. Voilà, je vous reprends donc, avec la caméra posée au-dessus pour vous montrer. Alors, vous avez ici le livre altéré qu'on réalise ensemble en tuto. Ici vous avez donc une décoration faite avec euh, deux napperons en dentelle, donc un napperon blanc et puis ici un napperon dans le bleu euh, qui rappelle le bleu de la collection. Ici, avec une perforonde dans une chute de papier, je suis venue découper pour coller au centre. Et j'ai collé donc la découpe en bois qui était fournie dans le kit, avec ici les die cuts qui étaient au dos de la page de couverture de la collection de papier, et puis les fleurs qui étaient déjà fournies dans le kit. Pour l'étagère, donc en fait, c'est trois livres de récupération que je suis venue recouvrir avec. Euh, le papier de collection pour recouvrir mes livres, j'ai utilisé de la cartonnette pour que ça soit bien bien rigide. Donc euh, vous récupérez vos livres. vous voyez ici on les voit encore. Hein. Donc j'ai gardé parce que je trouvais que ça faisait un peu vintage authentique, j'ai pas du tout voulu euh, cacher ça. Donc, vous venez découper de la cartonnette, vous mesurez euh, la dimension de vos livres et vous rajoutez 5 mm. Euh, admettons si le livre il fait 10 cm par 15 cm, ma cartonnette elle va mesurer 10 et demi par 15 et demi, ce qui nous laisse un petit rebord pour cacher le livre à l'intérieur. Donc après, c'est du cartonnage, c'est la même technique que pour euh, couvrir ce livre-là. Donc euh, je ne l'ai pas refait en tuto. Ici sur le côté. Mes petits médaillons donc ce sont des médaillons de récupération j'ai juste retiré l'image qui était au milieu je suis venu découper donc j'ai gardé l'image euh, initiale euh, j'ai euh, reproduit sur mes chutes de papier en le contour au crayon bois j'ai découpé et j'ai collé au glossy accent et je suis venu recouvrir avec du glossy pour un effet bombé euh, euh, qui prenne bien la lumière donc, comme si c'était euh, de la résine en fait Ici, je suis juste venue recouvrir euh, la couverture parce qu'en fait, mon papier avait craqué euh, sur les tranches et euh, je suis venue euh, rainurer dans, avec ma table de rainurage pour qu'il y ait un côté un petit peu gaufré. Ici, pareil, j'ai récupéré un petit, euh, une petite déco en, en métal et je suis venue coller au glossy la fleur qui était présente euh, dans le kit euh, d'embellissement. De, je suis venue accrocher mes livres avec le reste de mon ruban donc les livres sont pas collés et en dessous pour que ça tienne sur une étagère je suis venue coller les perles donc c'est des perles en bois euh, je les ai collées au glossy accent donc vous voyez j'ai fait un raccord ici par exemple puisque ma mon livre était euh, j'avais pas assez sur euh, la page 30-30. donc avec la chute je suis venue faire mon raccord ça ne se voit pas du tout donc ça c'est pour l'étagère et ensuite vous viendrez la poser donc euh, dans votre meuble ou où, où vous voulez le petit nappon par dessus et au-dessus, on vient poser notre livre altéré. Donc le livre altéré, il se présente comme ceci. C'est un livre de poche euh, que j'ai récupéré. J'ai retiré la couverture de mon livre de poche. Et ensuite, je suis venue faire du cartonnage autour. Donc ça, vous l'avez en tuto. Et je suis venue décorer ensuite. Et donc, la subtilité, quand on l'ouvre, d'abord la couverture. Je garde le suspense. Donc sur la couverture, j'ai repris euh, une fleur qui était dans le set, la, la très jolie fleur ici avec les, les paillettes, ça prend bien la lumière. Ici c'est un die cut que j'ai découpé pareil au dos de la couverture. Pareil pour ces petits die cuts. Et ici j'avais un cadre métal qui traînait dans mes petites babioles. De nouveau les petits médaillons. Donc vous voyez ici j'ai recouvert avec euh, du papier de collection et du glossy accent. Donc euh, voilà, ça nous fait un joli cadre qui vient comme ça une page de présentation sur euh, mon livre et ensuite ici avec les peintures mintay donc euh, là c'est la couleur sable euh, je suis venue faire des gouttes de, de peinture ça donne un petit peu de relief et puis un effet tache qui est vraiment sympa j'ai vieilli les bords avec les crayons distress donc tout ça je vous le montre en tuto ici pour symboliser euh, le, le petit ruban marque page dans les livres j'ai re repris le ruban de, du, du kit j'ai rajouté mes deux petites perles en bois les mêmes qu'il y a sous euh, l'étagère et puis ici une petite breloque euh, livre où il est écrit euh, secret love. Déco en métal. Le dos c'est le papier de la collection et à l'intérieur quand vous l'ouvrez, on a un livre altéré. Donc je suis partie dans l'idée euh, de la boutique d'antiquité, c'était le thème euh, de la collection de papier. Ici dans le fond j'ai repris une, une carte PL. C'est une carte PL qui, avec les étagères et toutes les petites babioles posées dessus, et, en pro, et puis ici en premier, deuxième, troisième plan, j'ai intercalé les die-cuts, pareil, du dos de la couverture, et les fleurs qui étaient présentes dans le, le set de, du kit. Ici sur la couverture, donc la page de couverture à l'intérieur, j'ai découpé donc le, le très joli buste ici, le mannequin avec la composition florale, un morceau de papier déchiré pour rappeler euh, le livre. Donc voilà, et puis de nouveau ici un médaillon avec de nouveau ici le centre qui a été fait avec les chutes de, de papier de collection. Donc voilà pour euh, mon livre altéré et sa petite étagère. Donc un home déco. Euh, dans un esprit euh, vintage, du boutique euh, d'antiquité, qui viendra euh, orner euh, ma bibliothèque. Euh, donc le tuto du livre altéré est à suivre euh, en deuxième partie de vidéo. Donc ce tuto est réalisé avec le kit du mois d'octobre de la boutique les kits de Corinne. Je vous remontre la carte de Corinne. Corinne, on peut la retrouver sur son groupe Facebook, l'équipe de Corinne, sur sa chaîne euh, YouTube et euh, bientôt sur son site Internet, puisque euh, ça y est, le site va bientôt, euh, bientôt ouvrir, mais elle mettra une publication sur euh, le groupe Facebook. Donc voilà, pour le tuto du mois d'octobre, il me reste dans mon kit une collection complète de papiers, puisque vous savez que les papiers étaient donnés en double. Donc là... Il me reste euh, une collection de complète, quelques chutes de la première collection et il me reste les cartes stock. Donc je pense que je ferai euh, un, un mini album ou un folio ou en tout cas euh, un peu dans cet esprit euh, en deuxième quinzaine d'octobre. Donc on y est déjà, ceci dit. Euh, donc euh, je vais voir quand est-ce que je vais, je vais publier ça. Voilà, ben moi je vous dis à très vite pour euh, un prochain tuto pour la boutique liquide de Corinne. En attendant, je vous laisse avec le tuto du livre altéré réalisé avec euh, le kit du mois d'octobre. Je vous dis à très vite, je vous embrasse, scrapez bien, amusez-vous et surtout n'oubliez pas de rêver, bye bye Alors ça y est, c'est parti, on commence à torturer notre livre. Donc vous récupérez un livre de poche et vous retirez les, les couvertures. Je ne carte vraiment que le corps du livre avec les, les pages de, de l'histoire. Pour renforcer ma tranche, j'utilise un scotch de masquage assez fin et je viens comme ça le, le coller sur ma tranche vraiment pour pouvoir la renforcer pour que les pages restent bien collées à la tranche. Ensuite, je le mets de côté et je m'attaque à la couverture. Donc, je fais une couverture avec la cartonnette. J'ai pris la cartonnette épaisse qui fait au moins 2 mm d'épaisseur. Pour les dimensions de la cartonnette, vous mesurez votre livre de poche et vous rajoutez. 5 mm euh, au côté pour euh, avoir euh, votre livre de poche qui est bien euh, intégré dans la couverture. Donc je viens de découper euh, les, la cartonnette avant, la cartonnette euh, arrière et la tranche. Pareil pour la tranche, je remesure la tranche de mon livre et je rajoute à peu près 3-4 mm vraiment pour que l'ouverture se, se fasse bien. Donc là, je ne vous donne pas de dimension précise puisque ça va dépendre euh, des dimensions de votre livre de poche euh, de base. Moi, j'aime bien euh, relier mes cartonnettes entre elles avec le Scotch Craft que je trouve chez Action. Je trouve que c'est plus facile après pour euh, le recouvrir avec le papier de collection. D'autant que là, le papier de collection, euh, le papier de couverture, finalement, il est en un seul morceau. Donc ça va être beaucoup plus facile après pour moi pour euh, le coller. Donc je viens juste coller au recto et au verso du craft. Je marque mes plis au niveau de la tranche. Je vois bien si l'espace entre mes cartonnettes est suffisant. En général, j'applique toujours la même règle. Si ma cartonnette fait 2 mm d'épaisseur, je fais 2 mm plus 2 mm et je rajoute toujours 1 mm de sécurité. Donc, soit 5 mm entre chaque, chaque espace. Ensuite, pour recouvrir, je mesure la hauteur de ma cartonnette et je laisse dépasser de 2 cm de chaque côté. Ce qui permettra de recouvrir euh, la, bien correctement euh, ma, ma cartonnette et d'avoir des pattes de collage à l'intérieur qui soient bien larges et donc euh, euh, bien faciles à recouvrir après avec le papier euh, intérieur. Pour euh, coller mes cartonnettes, j'utilise le Scotch Double Face Moquette, pareil que je trouve chez Action. Et je viens euh, coller du double face. Alors là c'est vraiment, j'épuise mes réserves de, de double face euh, entre euh, voilà mes bandes de, de scotch moquette pour être sûr que toute ma cartonnette soit bien bien encollée sur mon papier de collection. Donc ça c'est une technique qui est assez simple, qui est rapide. Par contre, attention, soyez bien précis, puisque vous voyez, quand on le colle, il n'y a pas de deuxième chance. Euh, une fois que c'est collé, ça, on ne peut plus le redécoller. Avec la colle, vous avez quelques secondes de. de de, de jeu où vous pouvez un petit peu faire glisser vos cartonnettes. Là, on ne peut pas. Vous coupez vos angles. Euh, vous laissez bien au moins 2 mm d'espace entre la cartonnette et le papier de collection. Et voyez, je viens couper euh, en, en biseautant un petit peu là euh, au niveau de la tranche. Je trouve que c'est plus facile de procéder comme ça puisque vous allez voir mon papier, je vais bien bien euh, l'intégrer dans euh, les, les tranches, donc dans l'espace entre mes deux cartonnettes. Et donc je trouve que c'est plus facile de procéder comme ça, donc j'insiste bien avec ma colle, je prends le temps de bien coller, être sûr que mon papier de collection soit bien collé à ma cartonnette. Ça, c'est une étape qui est importante puisque euh, c'est ce qui fera le, euh, le mécanisme d'ouverture, de fermeture pour que le papier ne, le, ne gondole pas et tienne bien en place. Donc vous prenez bien votre temps. Je profite également de fixer mon ruban à l'intérieur de, de ma cartonnette, comme ça il ne se verra pas sous mon papier de collection. C'est un très joli ruban en organza que Corinne nous a fourni dans le kit. Un ruban blanc euh, en sat ouais, organza satin, je ne sais pas trop, mais il est vraiment très très beau. Donc, très facile à coller aux double-faces, c'est ce qui a de mieux. Moi, à la colle, je ne suis pas du tout à l'aise euh, au niveau des, de la colle euh, sur les tissus. Et ensuite, je vais venir rabattre tous mes bords de papier de collection pour bien en coller mes cartonnettes. Donc, je fais bord par bord, je prends mon temps. Je passe ma colle, j'appuie bien avec mon, mon plioir pour être sûr que mon papier adhère bien à mon carton. Là, je plie bien mes angles et je viens rabattre le plus grand côté. Donc, je procède de la même manière en face. Si je commence par les petits côtés euh, du côté droit, eh bien, je termine par les petits côtés du côté gauche. Toujours la même, euh, la même technique. Et ensuite, je viens remborder le plus grand côté. Bien plier les angles pour que euh, le, le papier euh, soit bien encollé sur euh, les coins. Je décide de recouvrir l'intérieur de ma couverture avec le même papier de collection. Et là, je tranche avec un très beau papier rose euh, très clair. J'adore, je trouve que ça tranche très bien avec le papier bordeaux foncé. Donc, c'est vraiment chouette. Et pareil, je vais le coller. Euh, donc, euh, de... c'est le même papier à l'intérieur. Je commence par coller un côté plus la tranche. Et je viendrai ensuite rajouter de la colle sur la deuxième partie. Pourquoi je fais ça C'est très simple, ça vous permet de bien coller votre papier sur le fond et voyez bien le marquer. Mais quand vous le marquez, eh ben le papier il va venir euh, se coller à l'intérieur de la tranche. Donc forcément, euh, ça le décale un petit peu. C'est pour ça que la deuxième partie du papier est collée euh, vraiment en dernière partie. Voilà, cette partie-là, une fois que vous avez bien intégré votre papier dans les tranches, vous la collez. Et là, je suis sûre que mon papier à l'intérieur, il ne bouge pas, il est bien collé et il ne se déchirera pas. C'est surtout ça. Il est vraiment très, très beau, ce papier. Alors, du coup, pour masquer la tranche de mon livre, je préfère euh, utiliser une chute de papier. Euh, une chute de papier dans, dans un vieux rose qui vient trancher avec le rose pâle euh, du, du papier euh, de la couverture intérieure. Donc, euh, là, euh, j'ai utilisé ma chute. Je suis venue coller sur à peu près euh, un centimètre et demi. Je marque le pli euh, à même le livre, donc vous voyez, je, me, je mets de, vraiment de la tranche du livre, et à l'arrière, pareil, je viens coller, donc je colle à l'avant à l'arrière, mais pas la tranche euh, au milieu, ce qui permet euh, de pouvoir euh, avoir un papier qui reste souple et qui ne se déchirera pas euh, à l'usage. Bon, j'ai décidé de, de cacher la tranche, on pourrait ne pas la cacher euh, également, c'est vraiment au choix. Et donc maintenant, je vais faire mon ouverture dans mon livre. Donc c'est là où on commence à torturer les pages. Alors pour info, l'histoire du livre n'était pas du tout intéressante. J'ai jamais réussi à le, le terminer. Je savais que je n'allais jamais le terminer. Donc je l'ai torturé. Donc je me suis fait un cadre tout autour, à peu près un cm et demi de chaque côté. Donc je viens reporter ce cadre, je trace au crayon bois, et ensuite avec un cutter et une règle, je vais venir couper mes pages. Petite technique, placez une cartonnette. Donc euh, là, je découpais à, à peu près une vingtaine de pages. Je n'ai pas vraiment compté. Donc pour que ça vous fasse un bon 5-6 mm d'épaisseur. Et, euh, et donc, mettez une cartonnette, ça va être beaucoup plus simple parce que là, j'ai coupé, mais euh, euh, j'ai un petit peu galéré sur cette première partie. Vous verrez après, je vais placer une cartonnette, ça va être beaucoup plus simple. Donc là, vous venez découper vos pages. Gardez-les, les pages, ça fait. Euh, ça vous fait du papier de récup, si vous voulez faire des embellissements avec des pages de livres, c'est l'idéal. On ne les jette pas, donc on peut les garder. Donc la découpe au cutter se fait très très bien, c'est du papier qui est fin, donc pas de souci. Attention de ne pas se couper avec le cutter. Donc voilà, je regarde un petit peu si la, si la profondeur me convient. Euh, moi j'aime bien creuser sur à peu près, euh, je vous dis, 5-6 mm, et puis... Euh, après, je vais refaire un cadre plus petit à l'intérieur, pareil sur 5-6 mm de, de profondeur. Donc Une fois que la profondeur me convient, là je viens retracer un cadre à l'intérieur à à peu près 1 cm, 1 cm et du, demi du bord pour euh, faire comme un comme un aspect de diorama. Donc vous euh, voyez ces cartes un petit peu où on va creuser euh, du plus grand au plus petit euh, en allant vers la profondeur. Donc là c'est un peu le même principe. J'ai fait. Euh, deux je regarde en même temps le, le oui c'est ça, j'ai fait deux dimensions donc la première dimension qu'on a vue ensemble et ici j'ai resserré en, en, en retraçant un, un cadre plus petit à l'intérieur et donc euh, je vais m'adapter à la dimension de ma carte PL euh, puisque la carte PL c'est la carte de fond que je mettrai euh, en image sur mon livre et euh, donc c'est la dimension de la carte qui fait que euh, je vais m'arrêter dans mon diorama. Alors c'est beaucoup plus simple de travailler sur le livre qui n'est pas encore collé, il est très souple, donc facile à manipuler, et puis ça me permet de ne pas abîmer ma couverture. Je viendrai le coller vraiment en dernière partie quand vraiment toute la déco sera terminée. Donc vous voyez, je place ma carte PL et puis euh, donc euh, je replace dans ma couverture, voir si tout me convient, mais je ne le colle pas tout de suite. Donc la carte PL c'est vraiment le personnage principal quand on ouvre. Euh, ce que je n'aimais pas c'était ce bord blanc, ce cadre blanc tout autour de la première page, ça ne me convenait pas. Donc j'ai préféré recoller des chutes de, de texte vraiment pour garder ce côté livre altéré. Alors c'est bien sûr quand on ouvre un livre l'écriture va, il y a une marge hein, c'est évident, mais là c'est c'est un objet altéré donc ça ne me gênait pas de venir coller comme ça de, des écritures jusqu'au bord haut euh, et bas, euh, tout autour de mon cadre. Je préférais faire comme ça que de garder mon cadre blanc. Donc euh, j'ai déchiré les, les coins pour avoir un côté un petit peu moins euh, rectiligne, vraiment un objet euh, usé par le temps. Donc d'où ce côté déchiré. Et puis je viens comme ça faire mes petits raccords. Euh, et faire tout mon encadrement, je garde juste mon côté euh, là où il y a mon papier de collection, je ne viendrai pas le recouvrir avec euh, les 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 petites les petites chutes de, de texte. Donc j'utilise une colle euh, uu, euh, c'est la colle euh, une colle scolaire en fait, ça suffit hein, pour coller sur du livre, euh, c'est tout à fait suffisant, ça évite au papier de gondoler d'ailleurs. Et le papier de collection euh, colle très bien avec la colle euh, uu, c'est pas du tout un souci. Donc là, je commence à mettre un petit peu de côté mes petits embellissements pour euh, ma couverture. Euh, J'avais au préalable découpé toutes les die cuts qui étaient présents d'autres couvertures de la page de la première page de la collection de papier, et je viens comme ça décorer l'intérieur de, de ma couverture. Le papier de fond me plaisait énormément, donc j'ai pas trop voulu le, le charger. J'ai mis deux grands die cuts, ça suffit, et puis une chute de, de livres pour, pour décorer. Pareil, j'ai déchiré des morceaux qui viennent encadrer comme ça mon étagère. Ça casse un petit peu le côté rectiligne de la carte PL, qui n'allait pas trop avec l'aspect déchiré de, de mon livre altéré. Ensuite, c'est une affaire de, de goût. Vous placez vos embellissements. Bien sûr, vous profitez de la profondeur pour euh, voilà l'intercaler euh, en premier plan, en deuxième plan. Ça va dépendre de comment vous voulez euh, décorer. Donc le petit bouquet, il est parfait parce qu'il est très volumineux, mais il s'intègre très bien dans le, dans le creux de mon livre. Donc, c'est parfait, ça apporte du volume, de la couleur. Et vous venez comme ça jouer avec les die cuts et les fleurs du set d'embellissement de, de, qui était fourni dans le kit. Je vous montre comment je réalise mes petits médaillons. J'ai récupéré un médaillon en métal avec un embellissement au milieu que je retire. Je garde mon médaillon. Là, j'ai de la chance, j'ai une perfo qui rentre à peu près. Donc je viens faire ma découpe et j'ajuste je retire à peu près un millimètre même pas autour. Et je vais venir le coller au glossier Accent. Donc le glossy, c'est très sympa, ça fait un effet comme la résine. Le seul inconvénient, c'est que ça met des heures à sécher, donc il faut vraiment mettre ça de côté, il ne faut pas y toucher, sinon votre rendu ne sera, sera pas joli. Donc je colle d'abord mon papier au glossy et ensuite par-dessus, je viens mettre une, une bonne couche de, de glossy avec l'effet bombé, c'est vraiment très très sympa. Au début, ça a un aspect blanc laiteux, assez trouble, et puis en séchant, ça devient transparent. Il y a toujours une petite bulle qui reste, donc moi je viens la chasser avec une aiguille et puis je laisse sécher. De même, j'avais fait sur ma couverture, on voit que c'est en train de sécher. Donc là, je fais hyper attention parce que le bombé, si j'ouvre ma couverture par exemple, le glossy risque de couler. Donc bien le garder à plat et puis je laisse sécher jusqu'à ce que ça devienne transparent. Alors je viens vieillir le devant de couverture avec les crayons distress, ça c'est super parce que c'est très facile à étaler, moi j'étale ça au doigt et ça vous fait un aspect euh, vieilli, altéré, c'est vraiment très très sympa. Donc je suis venue superposer euh, trois couleurs dans le, la même gamme de, de coloris que, que ma collection. J'ai joué surtout sur les bordeaux et puis une petite touche de, de doré, euh, doré presque bronze d'ailleurs. Ensuite, je vais venir mettre des taches de peinture. Donc là, c'est la peinture acrylique de, de chez Mintay qui a un effet un petit peu euh, assez opaque. Euh, ça fait longtemps que je l'ai. Donc il euh, y, a, y a de l'eau, elle est en deux, comme si elle était en deux phases. Donc bien la mélanger. Et puis je viens comme ça le, les, la disperser euh, avec un, un petit pinceau éventail. Donc il faut que ça soit bien, bien liquide pour qu'il y ait un aspect de, de goutte un peu éparse et donc vous laissez sécher et ça aura un aspect euh, mat à la fin une couleur sable qui s'accorde très très bien avec euh, le, le papier de collection je voulais pas de peinture blanche je voulais vraiment une peinture euh, aspect euh, un peu plus passé plus vieilli donc euh, cette couleur sable elle est parfaite voilà le projet terminé donc notre livre altéré qui viendra euh, euh, en décoration sur une étagère vous voyez j'ai laissé euh, sécher le bleu aussi on voit bien qu'il est transparent maintenant les coins en métal. Ici le petit bijou que je suis venue rajouter. Le papier de collection est vraiment très très beau. Et je trouve que euh, en décoration comme ça sur les livres, euh, ça le met vraiment en valeur. J'aime beaucoup euh, cette décoration, un esprit euh, vintage, brocante. Un, un combo couleur qui est vraiment très sympa. Et donc l'intérieur de notre livre altéré. On voit comme ça ce cafarnaum de, de babiole qu'on peut retrouver chez le brocanteur, orné des différentes fleurs en papier ou même les fleurs qu'on avait dans le kit d'embellissement. Donc voilà pour ce premier tuto. J'espère qu'il qu vous a plu. N'hésitez pas à montrer vos, vos créations avec ce kit du mois d'octobre, donc ré, réalisé pour la boutique les kits de Corinne et avec la collection de papier antique shop de chez Mintay. Je vous dis à très vite pour euh, un second tuto avec euh, le reste de papier euh, du kit. En attendant, euh, prenez soin de vous, évadez-vous avec le scrap, profitez-en, créez, partagez et surtout venez en euh, commentaire de, de la vidéo ou sur le groupe, euh, partagez euh, vos créas, vos idées de réalisation avec euh, le kit euh, du mois d'octobre pour la boutique Les Kits de Corinne. Je vous dis à très vite, je vous fais de gros bisous, bye bye